elle travaillait dans le tourisme. À 40 ans, Laurence a tout lâché pour se lancer dans la restauration de meubles depuis maintenant 6 ans. Laurence Fournier, installée à Châteaubriant, donne une seconde vie à vos meubles, buffets, tables, chaises. Elle relook ses meubles. Elle vous apporte également ses conseils pour décorer votre intérieur. Bah, c'était une passion. Moi, j'ai toujours aimé bricoler. J'ai changé de métier, en fait, à la quarantaine, crise de la quarantaine. J'étais dans le tourisme et j'ai décidé de faire de la peinture. Donc, j'ai trouvé une école où je pouvais être formée en décoration intérieure et meubles peints. Et ensuite, j'ai créé mon entreprise. J'ai passé un CAP de peintre et j'ai créé mon entreprise à la suite. En fait, les gens me font venir chez eux. Ils ont des buffets qui traînent comme ça dans le garage où ils ne leur plaisent plus parce qu'ils sont en couleur bois. Et ils me demandent d'harmoniser la couleur et de relooker le meuble par rapport à ce qu'ils ont au niveau de la déco à l'intérieur chez eux. Je prends en photo, je fais mon devis à la maison, je l'envoie après. Et je fais toujours un essai, une fois que le devis est accepté, je fais toujours un essai sur un tiroir, une porte, un morceau du meuble. Je reviens chez les gens, on le met au pied du mur, on regarde si ça va bien avec les couleurs de leur intérieur. Et après, si les gens sont d'accord, je continue le meuble comme ça. Donc je leur propose différentes couleurs, différentes finitions. Suivant ce que moi j'ai vu chez eux et ce qui me paraît le mieux. Après, bon, bah, ils peuvent aussi avoir des exigences et tout, mais j'essaye de les guider dans leur choix de couleurs. C'est sympa de pouvoir mettre une touche de couleur comme ce meuble-là. L'intérieur, bon, j'ai proposé à ma cliente de le faire orange. S'il avait été blanc cassé du bas jusqu'en haut, ça aurait été banal, quoi. Tandis que là, il va avoir un petit côté déco. Vous l'imaginez devant un mur de pierre. Moi, je trouve que ça ressort bien, quoi. Dehors, j'ai un petit endroit qui m'est réservé où j'ai une sableuse. Donc, c'est du sable très, très fin. J'ai tous mes sacs ici. C'est vraiment de la poussière. Donc, ça attaque pas du tout le bois. Et moi, ça me permet de gagner vraiment du temps au niveau du décapage. Donc, un meuble ciré, il va se décaper plus facilement qu'un meuble verni avec ma machine. Donc, après, c'est tout un tas de calculs à faire suivant la finition que les gens veulent. S'ils veulent que je peigne l'intérieur, pas l'intérieur, il y a plein de choses qui entrent en compte. Mais quelquefois, ça peut valoir le coup de relooker un meuble plutôt que d'en racheter un neuf qui est moins sentimental ou auquel on tient moins, quoi. Et si Laurence Fournier fait l'objet de ce reportage, c'est qu'elle a remporté le grand concours organisé par Pulseo lors de la dernière foire de Béret.